Salut toi! Moi c'est Alex, votre coach de fitness, et restez là parce que j'ai un petit secret à vous dire. Eh oui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis posé, tranquille, je suis en train de travailler sur l'ordinateur de Jessica. Tu vois bien que c'est pas chez moi ici. Voilà, pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Alexandre Mallier, je suis coach sportif diplômé d'État depuis plus de 15 ans. Et avec Move Your Fit, on essaye de vous donner un maximum de contenu pour que vous progressiez, pour que vous soyez une meilleure version de vous-même. Et justement, pour que vous soyez une meilleure version de vous-même, j'ai aujourd'hui envie de vous délivrer le secret qui va enfin vous permettre d'atteindre votre objectif. Et oui, parce que l'autre fois, je discutais avec quelqu'un et elle me disait « Ah bon, mais c'est nouveau ce truc, je ne connais pas ». Je lui dis « Non, non, ça fait quand même quelques années que ça existe, mais c'est possible que tu ne connaisses pas et je peux comprendre que tu ne connaisses pas parce que, effectivement, ceux qui connaissent ce secret, restez bien attentifs jusqu'à la fin de cette vidéo, ceux qui l'appliquent, eh bien, ont vraiment des résultats. Alors, c'est pas forcément facile, mais c'est beaucoup plus facile que tout ce que vous avez pu faire depuis des années. Alors pour ceux qui nous suivent régulièrement sur cette chaîne, et en l'occurrence depuis plus de 2 ans et demi, vous connaissez ce secret puisque on vous le dit, on vous le rabâche dans toutes nos vidéos. Et c'est d'ailleurs pour ça, grâce à ça certainement, que vous avez perdu des dizaines de kilos, que vous avez atteint vos objectifs. Bref, c'est grâce à ce secret que vous avez vraiment progressé et que vous êtes devenu une meilleure version de vous-même. Mais l'autre fois, j'étais à une soirée, comme je vous l'expliquais, et donc j'expliquais un petit peu mon métier, je disais que j'avais un programme en ligne, que je faisais des vidéos sur YouTube, j'aidais les gens à perdre du poids, et donc quel était l'exercice justement qui allait faire perdre du poids. Et donc on ne parle pas d'alimentation, hein, d'accord? Là, sur cette vidéo, déjà, je vous donne un indice, on ne parle que d'une activité sportive. Mais pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? C'est pour que vous partagiez en masse, tous ceux qui connaissent déjà ce secret, que vous partagiez en masse cette vidéo. Alors, quand je vais vous le donner, vous allez dire « c'est ça ton secret ?» Oui, parce que toi, tu le sais. Parce que toi, tu le sais, mais il y a des milliers, des millions de personnes qui ne savent pas ce que veut dire ces 4 lettres. Et oui, qu'est-ce qui, d'après toi, en 4 lettres, va te permettre d'atteindre ton objectif et quel est ce secret? Donc là, tu me mets pause et tu me mets ça tout de suite en commentaire. Non, mais tu mets pause, réellement, et tu me mets ça en commentaire. Je viendrai liker, hein. Je viendrai liker, promis, juré, je viens liker ton commentaire. C'est bon? Tu as mis? Oui, toi tu connais, d'accord? Donc, cette méthode miracle, c'est le HIIT. H-I-I-T. High Intensity Interval Training, d'accord? Autrement dit, un travail de fractionné. Alors, quand je vous le parle comme ça, quand je vous le dis comme ça, vous me dire « Non, mais je le savais déjà, Alexandre. » Oui, toi, tu le sais. Mais c'est pour ça qu'il faut partager cette vidéo à tous vos réseaux sociaux, sur tous vos réseaux sociaux. C'est parce que la plupart des gens ne le connaissent pas. Regarde, imagine, juste imagine 2 petites secondes. Tu sors dehors et tu fais ton activité, par exemple, tu nous regardes sur le téléphone et tu es en train de faire nos cours. Sur 10 personnes, combien est-ce que tu penses qui vont dire « Ah là, toi, tu es en train de faire un HIIT ». Mais allez, 9 sur 10 vont demander « Tiens, tu fais du sport ? Tiens, c'est quoi ton exercice ? Tiens, c'est quoi ton cours de fitness ?» C'est sûr, à 90%, 9 sur 10 vont vous dire ça. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas encore assez connu, ce n'est pas encore assez répandu. Dans une salle de fitness, par exemple, combien de salles de fitness ont le mot HIIT dans leur planning?
Il n'y a pas 9 sur 10, mais c'est sûr et certain. Mais allez, ouais, 10% peut-être. Et encore, je pense que c'est beaucoup les salles parisiennes, beaucoup les salles de ville. Mais en province, je peux vous assurer que lorsque quelqu'un, et encore même, je sais très bien que vous, dirigeant de club qui me regardez peut-être, ou prof de fitness qui me regardez, vous allez pouvoir mettre le mot « HIIT » sur votre planning. Mais tout le monde va vous, quand ils vont arriver, « Ah, c'est quoi ça, ce cours ?» Et là, vous allez expliquer. Eh bien, c'est un cours d'intervalle training qui va vous permettre, on va y revenir tout à l'heure dans la vidéo, et je vais vous expliquer un petit peu les bienfaits du HIIT. Je vous avais déjà fait une vidéo, hein, vous avez juste à cliquer ici, mais je vais vous les énumérer très rapidement. Et donc, la personne, vous allez lui expliquer en lui disant, eh bien, c'est un intervalle à haute intensité qui s'effectue en très très peu de temps et qui va vous permettre de brûler un maximum de calories en très peu de temps. Ah oui, mais moi j'étais venu là pour faire une heure de vélo elliptique, j'étais venu là pour faire une heure de vélo. Eh bien madame, en seulement 18 minutes, vous allez faire mieux qu'une heure de vélo d'appartement, mieux qu'une heure de vélo elliptique et vous allez enfin atteindre vos objectifs. Donc c'est pour ça que pour que cette discipline soit démocratisée de tout le monde, il faut absolument, je le redis encore une fois, il faut absolument partager ce secret que nous avons, parce que vous me regardez, donc du coup, vous le savez ce secret, mais vous le gardez pour vous. Alors pourquoi vous le gardez pour vous? Parce que vous êtes un petit peu égoïste. Partagez-le. Et oui, pourquoi la voisine, elle n'aurait pas le droit de perdre aussi ses kilos en trop? D'accord? Parce que peut-être qu'elle n'a jamais fait de sport. Mais justement, vous allez lui expliquer que le HIIT, c'est fait pour tout le monde. Si c'est fait dans une bonne pédagogie, si c'est fait intelligemment, cette personne-là va pouvoir également faire le cours de HIIT. Et oui, à la différence, lorsque vous allez dans une salle de fitness ou si vous faites un cours de step, pourquoi les cours de step se sont perdus? C'est parce que ça ne s'adressait pas à tout le monde. D'accord? Lorsque vous alliez dans un cours de step, allez, intermédiaire, avancé, la personne débutante, elle pouvait pas elle pouvait pas s'adapter au niveau. Il fallait qu'elle aille dans un cours débutant. Et quand bien même elle allait dans un cours débutant, si elle était en échec sur un cours débutant, elle ne revenait plus. Alors que là, sur un cours de HIIT, je vous donne un exemple. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement un cours de HIIT? Le HIIT, c'est un cours d'intervalle training. C'est-à-dire que vous allez, pendant une période donnée, peut-être 30 secondes, 20 secondes, 40 secondes, vous allez vous donner à fond. Si je prends un exemple tout bête d'une montée de genoux, vous allez monter les genoux à fond, à fond, à fond pendant 30 secondes et je vais vous demander de ne rien faire pendant 30 secondes également. Et donc, vous allez alterner intervalle training, vous allez alterner ces deux phases très, très hautes d'intense, à haute intensité des montées de genoux à fond et de repos. Et pourquoi c'est accessible à tout le monde? C'est que lorsque vous allez faire des montées de genoux, si vous êtes obèse, si vous me regardez là et que vous êtes obèse, eh bien pas de problème. Vous, peut-être que vous ne pouvez pas faire d'impact parce que ça vous fait trop mal aux genoux, ça vous fait trop mal au dos et aujourd'hui vous ne pouvez pas. Mais si vous nous suivez régulièrement, je vous assure que dans un an vous pourrez. D'accord? Donc pensez à bien vous abonner à la chaîne. Je vous assure que si vous êtes fidèle, vous allez atteindre vos objectifs. Et donc, cette montée de genoux, vous allez pouvoir l'adapter à votre niveau. Faire une montée de genoux tout doucement. Et là, si tu ne donnes pas d'impact, regarde, si tu ne donnes pas d'impact, hop, tu fais juste, là je casse le dos pour que tu puisses bien voir ma tête, mais si tu fais juste ça, eh bien toi, c'est certainement ton maximum à toi et donc tu vas être essoufflé, donc ce sera parfait, tu vas atteindre ton objectif. D'accord? Avec le temps, tu atteindras ton objectif. Et donc, c'est pour tous les exercices comme ça, un bon pédagogue va vous donner toutes les options pour que vous puissiez suivre le cours en entier. D'accord? Que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé, vous pourrez mettre ou non les impacts en fonction de votre niveau. Donc, vraiment, c'est très important de démocratiser un petit peu le HIIT et de pas dire que c'est réservé que à une élite, bien au contraire. Donc, tous les avantages, je vous l'ai dit, un gain de temps en moins de 20 minutes, vous allez faire beaucoup plus qu'une heure de running. Alors, j'ai pas dit qu'une heure de running, c'était pas bien,
si vous voulez progresser en running, si vous voulez développer votre cœur, c'est génial. Par contre, si vous voulez vraiment aller piocher dans les graisses et si vous voulez vraiment atteindre cette graisse récalcitrante qui vous embête depuis des années, eh bien, ce n'est pas forcément ça qu'il faut faire. D'accord ? Donc, faites du HIIT, travaillez moins, mais travaillez mieux. Ok ? Retenez bien ça. Travaillez moins, mais travaillez mieux. Ça vous intéresse quand même. D'accord ? Donc, un gain de temps. D'accord ? Le 2, c'est la meilleure façon de perdre du gras rapidement. Aujourd'hui, le HIIT est la meilleure façon de perdre du gras rapidement. Ok ? Vous pourrez me dire tout ce que vous voulez sur le marché. Il n'y a rien de mieux que le HIIT pour perdre du gras rapidement. Donc, le 3, je vous l'ai dit, c'est accessible à tout niveau. Le 4, c'est que ça va augmenter votre métabolisme de base. C'est-à-dire que vous allez tellement développer votre métabolisme. Vous voyez, c'est le nombre de calories qu'on perd au repos, le métabolisme. Et donc, plus vous allez faire de HIIT, plus vous allez développer votre métabolisme. Et c'est-à-dire que lorsque vous allez rien faire, lorsque vous allez être dans votre canapé, lorsque vous allez regarder la télé, lorsque vous allez faire même vos courses, du shopping, eh bien, vous allez perdre du gras sans rien faire au repos. Parce que ça, votre métabolisme va se développer encore plus. Je prenais l'exemple la dernière fois, mais je vais le reprendre. L'été vient de s'écouler. Et je peux vous assurer que j'ai fait pas mal d'écarts. Et je pensais vraiment que les dégâts seraient plus importants que ça, mais quand je suis monté sur la balance, bah oui, j'ai pris 2-3 kilos parce qu'il y a eu beaucoup de semaines. Mais je vous assure que si mon métabolisme de base n'avait pas augmenté grâce au HIIT, eh bien, je peux vous assurer que les dégâts auraient été beaucoup, beaucoup plus importants. D'accord ? Et là, aujourd'hui, on a repris une activité, on a repris son poids de forme et on est au top. L'autre avantage, le dernier avantage, c'est que vraiment, on peut le faire partout. Donc, que vous soyez en salle, vous pouvez prendre votre petit téléphone, mettre une petite vidéo, vous allez piocher dans la playlist et vous allez faire un cours de HIIT de notre chaîne YouTube Move Your Fit. Donc, vous pouvez le faire en salle, vous pouvez le faire à la maison. Nous, on s'adresse vraiment à la maison à la base, hein, mais si vous faites de la salle, c'est pareil. Et donc, dans votre salon, vous pouvez le faire avec vos enfants, à la montagne, dans la campagne, s'il fait beau, allez-y, faites-vous plaisir. Mais encore une fois, on a trop… Je fais cette vidéo, mais je le redis, hein, qui paraît basique pour tous ceux qui nous suivent. Parce que nous, on est entre nous et nous, on sait ce qu'il faut faire. Et donc, du coup, là, je vois bien… Mais je le sais, Alexandre. Ouais, mais essaye d'ouvrir un petit peu tes chakras. Essaye d'ouvrir un petit peu ton mindset. Essaye d'ouvrir un petit peu ton état d'esprit et de dire, ok, je vais voir à la voisine et je vais lui dire, est-ce que vous savez ce que c'est le HIIT, madame ? Allez-y, mettez-moi en story, faites-moi sur Instagram, allez-y, j'irai vous suivre. Vous allez voir la voisine et vous lui dites, excusez-moi, madame, est-ce que vous savez ce que c'est le HIIT ? Allez dans la rue. Mais vous aurez 9 sur 10, et je pense que je suis très, très, très gentil avec mon pourcentage, 9 sur 10 des gens qui ne connaissent pas la signification de ces mots et encore moins ce qu'on y met à l'intérieur dans ces mots. D'accord ? Donc, ouvrez un petit peu et dites-vous que, ok, moi je sais, mais les gens ne savent pas. Donc, je vais partager également ce secret qui va permettre à des milliers de personnes d'être mieux dans leur peau, de se sentir mieux dans leurs vêtements également. Donc, voilà cette vidéo. Elle était un petit peu différente, mais je voulais vraiment vous faire passer ce message-là pour vous donner le secret ultime qui est le HIIT qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs définitivement. Si cette vidéo vous a plu, évidemment, on la partage un maximum. C'était vraiment le but de cette vidéo, qu'elle soit partagée à fond. Et on met un gros pouce like. J'irai vous lire dans les commentaires et dites-moi si justement, grâce à cette vidéo, vous connaissiez déjà et vous dites si vous avez partagé la vidéo ou si vous ne connaissiez pas et que vous venez juste de découvrir, mettez-le en commentaire et dites-moi, ça y est, je viens de découvrir et je vais faire demain ou peut-être tout de suite, je vais faire mon premier HIIT grâce à toi. Je vais vous mettre en lien ici un HIIT que tout le monde peut faire, un HIIT débutant comme ça qui vous permettra de mettre le premier pied à l'étrier. Ok les amis, vous avez juste à cliquer dans le lien ici pour vous abonner à la chaîne et télécharger les 10 conseils
pour être au top physiquement, ça vous fera passer au niveau supérieur et forcément dans les 10 conseils, on vous dit de faire du HIIT. D'accord ? Donc téléchargez les 10 conseils que je vous mets juste dans la description, dans le lien. Vous envoyez votre mail, on vous envoie ça gratuitement. C'est que pour vous, pour que vous progressiez, que vous soyez une meilleure version de vous-même. Je vous remercie, vous cliquez ici pour vous abonner. Et on n'oublie pas, on lâche rien.